j'ai eu une heure, montre en main, pour faire toutes mes répliques comme ça. Ouais. Donc là aussi, c'est une sacrée responsabilité. Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. On termine avec cet audio souvenir. Là, on est en 1998. Le dîner de cons, évidemment, de Francis Weber a explosé les records. 9,5 millions d'entrées au cinéma. Votre personnage était Jean Cordier. Évidemment, on va écouter d'ailleurs un petit extrait quand même. Vous avez sûrement reconnu. Pardon. La Tour Eiffel, entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. C'est vous qui avez fait ça? C'est une de mes plus belles pièces. Ah bon? Vous en avez d'autres? Si j'en ai d'autres. Allô, passez-moi Pierre Brochant, s'il vous plaît, de la part de Jean Cordier. Pierre? J'en tiens. Comment est-il? Un champion du monde. J'adore ce film, c'est quand même déjà le meilleur moment quand il découvre justement que c'est Jacques Villeray qui va être. Ouais, quel serait le meilleur souvenir de ce tournage quand même? C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des. Notamment avec notre regretté Jacques Villeray? Alors, avec Jacques, oui, bien sûr, c'est un souvenir merveilleux, mais ça a été assez difficile parce que. Je dois dire qu'il y a eu un wagon entier qui était descendu là-bas, à Hendaye, enfin un peu plus loin que la plus longue. Au Pays Basque. Au Pays Basque, pour avoir le plus long trajet en TGV. Ouais. Et donc ce wagon était entièrement démontable, les fauteuils, ça, pour placer les caméras, comme ça. 50 figurants étaient descendus, enfin bref. Mmh. Et on est parti de là-bas et tout a été shooté sur Jacques. Tout le temps. Toutes les répliques dans le wagon. Moi, j'étais en amorce, je lui donnais la réplique de dos. Ouais. Et à un moment, il faut tourner mes répliques. Donc, on démonte le wagon, on tourne les caméras. Et à ce moment-là, le type de la SNCF dit « Je vous signale que dans une heure, nous avons les tunnels, donc nous n'avons plus le de temps. » De réseau. Ouais. Ah. Oh là là. Plus de lumière. Ah oui, c'est vrai. Les tunnels. Donc, j'ai eu une heure, montre en main, pour faire toutes mes répliques, comme ça. Ouais. Donc là aussi, c'est une sacrée responsabilité. Sans faire de faute, surtout. Ah bah, évidemment. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut être... Pas de place au fourrier, on est petit. Et avec Francis Weber, la faute n'est pas pardonnée.